Bonjour et bienvenue dans Goûte à tout. Moi c'est Ted. Aujourd'hui dans l'émission, nous allons accueillir une madame. C'est pas n'importe qui madame, c'est ti madame là. Ti madame là, comme je connais, c'est une santé, 10 de l'année, mais il y a aussi une histoire. Une histoire qui est basée sur la vie de Marjolaine. Nous, dans ce endroit aujourd'hui, cap malheureux, vini dans un an. Mon rêve culinaire, c'est de faire découvrir au monde entier les saveurs que regorge notre île Maurice. Quoi de mieux que d'aller à l'aventure aux quatre coins de l'île, accompagné de personnes exceptionnelles. Moi, Ted Ono, pâtissier, je vous invite à venir goûter à tout. Marjolaine, bonjour. Bonjour Ted. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Enfin, moi aussi, mettre un visage de tout ça que vous entendez là ou là. Un peu pour tout le radio, la télévision, le YouTube. Oui. Et d'ailleurs, donc, là, c'est une actrice qui jouait où? Oui. Mais aujourd'hui, finalement, nous récits. Trouver qui ça l'a vraie, oui. Même petite madame là. Oui, oui, oui. Ah, c'est là, mais dis-moi qui ça l'a embêté. Moi, je m'appelle Marjolaine, alias madame là. Alias voilà. Madame là. Et oui. C'est qui sentait là, dit où? Exactement, c'est ça. Exactement, c'est nos histoires, ouais, qui Damien il est écrit. Là. Et qui vous fait particulièrement comme travail? Mon plat de maison. Oui. Mon travail à Cap Malheureux, mm-hmm. Et puis à Père Hébert. D'accord. Et puis en particulier, quoi. Ok. Des particuliers. Donc, pour faire un téléphone, j'étais un oui, exactement, pour oui. Vous, oui, voilà, vous dégager, voilà. Moi, faire des. Exactement. Et oui, on a un enfant. Oui, on a trois enfants. Oui. Trois des filles, enfants. Un garçon. Et grand. Des petits-enfants. Ah, voilà. Ah, oui, d'accord. Ah, mes enfants, ils m'ont tous les c'est trois. C'est vrai ouais. Combien de petits-enfants, Wena? Neuf. Neuf petits-enfants? Waouh. Vous gagnez le temps pour qui banane, qui guide, oui, en même oui, temps avec le travail? Exactement, vous gagnez un peu le temps. C'est un peu le temps pour la famille, un peu le temps pour le travail aussi. C'est vrai, donc, c'est voilà. Vrai. Et pourquoi pas vous cuire un petit manger, tous deux, t'es tout? Ah, ouais. Le manger spécial, c'est Salmi. C'est vrai? Salmi? Ouais. Vous entendez, vous faites ça pour moi aujourd'hui là? Ah, ouais, mon petit Salmi canard. Aïe, aïe. Maman. Mais là, nous pas plus tarder. Okay. Nous pas direct winner, nous pour tout bande d'affaires parce d'accord. Que fini faire ma fin là. Ah d'accord. Non, allez, non, okay. Non, allez. Allez. Mais dis-moi, Marjolaine, est-ce qu'on grandit dans le nord ici? Non, en fait, non, pas une grandit dans le nord, on grandit à Floréal, c'était mon balcon. Bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et oui. Maurice là-bas? Ah bon? Ben... Comment on se retrouve? Ouais. Ouais, comment on se retrouve comme et après, dis... ça fait combien de temps qu'il me bouge dans le nord en fait? Ça fait 17 ans qu'il me bouge dans le nord. 17 ans? Ouais, 17 ans. Wow! Ouais. Ok. Et là? Et l'endroit là, j'ai eu l'endroit, mon compte à l'endroit. Mm-hmm. Enfin, c'était mon besoin de dire mon endroit parce que ça fait 17 ans qu'il me reste oui, là. Donc, on tout du monde. Mm-hmm. Et puis voilà, j'ai eu la plage, j'ai eu l'endroit, est tranquille, très c'est accueillant. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Petit, mais très accueillant. Il y a beaucoup ouais. Vraiment beaucoup de touristes qui viennent ici. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup, avec oui, la chapelle. À l'église, tout ça. Pour la pluie qui gagne. Et oui, j'ai le vu, oui. Exactement. Il y a une des trois lilles, pas derrière, qui ne vaut pas trop aussi. Ah, d'accord. Ça, c'est quoi les miens, vous connaissez? Quoi des miens, oui. Là, c'est l'île plate. L'île plate. Et puis là-bas, c'est l'île aux Gabriel. Et puis là-bas, c'est l'île Ronde. Voilà. Ouais. Et sinon, ça a 17 ans qu'il me passait ici, là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a de la plage, là, tout le temps comme ça? Ou oui. Il y a un aménagement, ben, seul aménagement, enfin, non, c'est tout le temps comme ça, simplement, de te mettre la lumière. D'accord. Parce qu'en été, il n'y a pas que ben, villageois viennent là, je viens prendre l'air, c'est trop chaud. À ce moment-là, ben, elle mettait un petit la lumière. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Voilà. Sinon, il est tout le temps est comme ça, mm-hmm. Très propre et tout. C'est voilà. Vrai, c'est pour ça moi, qu'il y en a beaucoup, beaucoup de oui. Mauriciens qui sont contents de venir ici. Oui, il y en a beaucoup. C'est le problème, c'est le parking, aussi. Mais oui. Tout le temps, il est rempli. Exactement. Oui, ouais, exactement. Et il est même ah, il est allé. Alors là, on arrive dans Minas, on a l'enveloppe 1000 roupies. Oui. Et il est allé, nous prendre tout le monde avec les gens pour nous faire un nu. Salmi canard. Salmi canard. Canard, ouais. Alors, dis-moi qui prévient des gens qui nous aiment. Canard. Canard. Oui, nous aiment canard. Bien sûr. Oui. D'accord. Est-ce que ça correspond? C'est canard, oui. Ça, c'est. Ah, tu prends ça même. Ah bon? Ok, mais pas, mais je le prends quand même. Oui. Très bien. Voilà. Là, nous avons des épices. Bande d'épices, d'accord. Ouais. Dis-moi qui nous veut bien. Voilà, ça, c'est girofle. Bon, girofle, d'accord. Oui. Et puis. Du poivre. Du poivre, oui. En poudre. Et cannelle. Cannelle en poudre aussi. Cannelle. Très bien. Et ça très aussi. Piment.
Piment, d'accord, super. Excusez-moi, que vous prenez Astier. Astier, nous vous prenons pâte à et gingembre. Pâte à, et voilà. Pâte à et gingembre. Et ça produit là, vous connaissez qu'il est certifié ISO, HACCP. Ah, et aussi Halal, qui veut dire qu'il tue ce bon procédé, il respecte ce bon nom d'hygiène et tout. Là, et un petit coup de l'huile peut-être. Oui, nous vous prenons de l'huile. Ok, vous toujours. Ouais, de l'huile. Je me trouve une salade. Voilà, déjà une salade là. Aussi, oui, il faut prendre une salade. Et on va prendre ça. Hein? Oui. Ça, c'est déjà prêt. Fini râpé. Ouais, fini. Mettre une petite assiette sur le lit après. Exactement. Ouais. Voilà. Astel va prendre du pain d'aide. On ne dit pas. Et on va chercher. Nous mettons du pain là, bien, qui nous coupons. D'accord. Nous pas, il y a du monde, tout du pain là. Après, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est pas bon. Un pain, c'est tout. Oui, oui, un pain, c'est tout. Pour l'hygiène, c'est vrai. Oui, c'est bien. Voilà. On prend du pain. Pas tout du pain là. C'est vrai. Hein? Vous trouvez qu'il peut avoir un du monde oui, là. Oui, voilà. De vous venir, je craque tout du pain, là, pour une siège de table. Mais pour les autres qui viennent pas derrière, c'est pas bon. C'est vrai. C'est vrai. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce qu'on amène moi là? Là, on amène nous pavillon. Pavillon? Ouais, un petit endroit dans le Cap Malheureux. Toujours dans le Cap Malheureux. Un petit village Cap Malheureux. Rendez-vous après la pause pub pour la suite de Goûte à tout. Vivre comme atelier, c'est qui te content. Fais-toi plaisir. En famille, passe un bon moment. Moment délicat. Un sourire, l'autre figure, amuser, défouler, si appris. Prenez les dents pour ce qui est important. La joie dans les pieds, nous tous sommes gagnants. Et vous, que ferez-vous de vos économies? Vous aider à faire des économies afin de mieux profiter de la vie. Chez Winners, c'est ce qui nous tient à cœur. Winners, plus d'économies, plus de vie. Elle était là, assise devant moi à la sortie des cours. Belle, souriante, rayonnante. J'ai longtemps hésité à l'aborder et puis... J'attendais après les cours, il s'est avancé vers moi et m'a invité à dîner. Il avait l'air timide, mais déterminé. Je lui ai répondu que j'accepterais si, et uniquement si, c'était lui qui me cuisinait quelque chose. Je l'imagine en cuisine, concentré, discipliné, propre sur lui, un cordon bleu. Il a l'air de maîtriser. Le rêve, ce gars. J'ai vraiment hâte de découvrir les bons petits plats qu'il peut bien me jeter. Charmant, déterminé et en plus efficace en cuisine. Je savais qu'il m'épaterait. Et sinon, voici ce qui s'est réellement passé. J'étais tranquillement assis dans mon canapé avec mon journal lorsque le petit est arrivé en panique, me disant qu'il avait invité une fille à dîner, mais qu'il allait, lui, cuisiner. Cela m'avait franchement rigolé. Je lui ai alors proposé les pots tout ce délicieux Tali. Tali. Anyone can cook. La suite de Goûte à tout, c'est maintenant. Allô, comment tu peux dire moi, Lou Laplace, là-bas? Mm-hmm. Vous travaillez avec plaisir... Patron qui oui. Téléphone quand tu étais dans le travail. Exactement. Et il y a un patron en particulier qui... C'est lui-même directeur de cette émission-là. Ah oui. Par hasard. Oui. Et le raconte-moi comment ça s'est passé et qui finalement, ça sentait bien sur le site. D'accord. Un des mots, pas un patron, hein. Oui. Des fois, on a fait un ménage côté. Mm-hmm. Et quand on a fait un ménage, nous rentrer. Damien est très gentil. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez inviter Marjolaine? Oui. Ben, il est mis à faire inviter pour moi. Okay. Il fait un pour lui. Mm-hmm. Dans ses yeux, nous causer, nous boire inviter, un café ensemble. Ouais. Et là, il m'a raconté un peu, il raconte moi un peu, il nous fait une conversation. Ouais. Et un tel problème, il y a un producteur, il m'a dit comment ça marchait, comment c'est pas tout correct. Il aussi il demande moi. Ouais. Mais c'est dans ce moment-là, parce que moi, la vie, qui me tient à moi, on va te raconter tout du monde. Mais Damien, il m'a donné la confiance en lui. Okay. Ouais, il m'a donné la confiance en lui. Il est là pour me raconter un peu. Mm-hmm. Un peu ce qui m'est passé, ma vie. Enfin, en gros quoi. Mm-hmm. En gros, il m'a raconté. Il est là. Il va dire moi non, il écoute-moi. Ouais. Et un jour, il m'écoute-moi, il m'a téléphone, il m'a Facebook, ouais. Il m'a envoyé un message. Marjolaine, vous pouvez créer une santé avec vos histoires, vous pouvez faire une santé. C'est vrai? Créer, oui. Voilà. Il est là qui t'y ou réaction par rapport à ça? Mon réaction, moi, je suis bien content parce que
connais ici à Maurice, on va connaître ailleurs. Mm-hmm. Je t'attends qu'un dimoun mot pour te rendre hommage. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et Damien, il a sa capacité et sa pelle pour, mm-hmm. pour lui écrire son son, lui écrire une histoire, ou moi, mes histoires. Mm-hmm. Et mon goût là. Et moi, je trouve ça bien parce qu'il m'a encore là, je peux écouter, je peux content parce qu'il m'a fait dans nos histoires, je peux sentir par Désiré François. C'est voilà. vrai, c'est vrai. Ça, voilà. C'est comme ça que c'est gâti madame là. D'accord. Et premier dit, moi, pourquoi il écoute madame là. Ouais. Voilà. Et qui ça a fait, où l'étant, ça la voix là, on entend nos histoires, puis je vais pas tout nos radios. Mais comme on entend petit madame là, je suis bien content. Et souvent, bien souvent, il passe ça à la radio. C'est vrai. En fait, ben, je ne connais pas que c'est madame là. Mm-hmm, mm-hmm. Et pourquoi est-ce que vous connaissez que c'est madame là? Exactement. Bien, exactement. Quand, oui. quand je vous dis que madame là qui joue, oui. ben, c'est. Eh oui. Moi, je l'aime. Oui, c'est moi. Bon, ma famille connaît mon Dieu, mm-hmm. pas tout, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas mes histoires qui peuvent jouer et mm-hmm. qui m'ont dit madame là. Et, bien, voilà. et qui m'ont remercié aussi, Damien. C'est mm-hmm. grâce à lui mm-hmm. qui a un petit peu mes histoires. Il racontait. Là, il est dans la cuisine. Ah oui. Nous commençons avec un ticket. Ok. Allez. Et voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour ce délicieux salmi de canard. Un petit bouquet de thym, un oignon, une boîte de tomates rougail, un petit bol de jus de raisin fermenté, un peu d'huile végétale, 500 g de canard, 20 g de piment concassé et comme épices, nous avons du poivre, girofle, et de la cannelle. Puis, des légumes mixtes pour la salade. Allô, Marjolaine, tu oui. nous vas ingrédients finis installés dans la table. Oui. Pour commencer, qu'il nous fait? Pour commencer, nous oignons. D'accord. Et comment tous les ingrédients finis préparés. D'accord. Nous coupons nos oignons et nous pouvons mettre l'ail et le gingembre dedans. D'accord. Nous pouvons tous les ingrédients là-dedans. Mm-hmm. Sauf ça, bien sûr. En dernier, salade. Et pommes d'amour aussi en dernier. Pommes d'amour en dernier. Nous pouvons mettre tous nos bons ingrédients là-dedans. Nous pouvons brûler, mariner comme mm-hmm. ça. Après, là-dedans, nous pouvons mettre un petit peu de jus de raisin fermenté. Fermenté, oui. Fermenté. Et après, nous pouvons mettre cuit à petit feu. D'accord. Après, d'accord. quand presque fini cuit, là-dedans, nous pouvons mettre un petit peu de pommes d'amour. Ok, très bien. Mm-hmm. Mais nous commencer? Nous commencer, oui. Nous commencer. Donc là, comment dire, mon premier, nous. Oui. Coupe nos oignons. Coupe nos oignons, oui. Et là, qu'est-ce que le moine vous fait toujours? Non. non, pas du d'accord. tout. Tout est prêt là. Ok. Donc, comment dire, moi, toute préparation fait avant la cuisson. Oui, mais oui. Tout ensemble. Et tout ensemble. Mélanger. Mélanger, oui. Mettre au diffé. Oui. Après, en dernier, nous rajoutons les tomates. Après, quand c'est presque cuit. Ok. Oui. Alors là, on met du thym avec ce bâton tout là-dedans. Oui, on met du thym avec ce bâton tout là-dedans parce qu'il est plus gaillé. D'accord. Et ce bâton et ce tout là, il gagne bien goût. Ok, très bien. Ouais, soyons là, très bien. Petit pour être capable bien aussi. Fun, oui. Bien, bien. Sûr. Là, nous préparons l'ail. L'ail. On met l'ail. Mm-hmm. Oui. Là, par contre, c'est ce qu'elle a fait, elle. Demandez, donnez-moi faire des voilà. Elle. En attendant, on met le piment dedans. Non. Je vais mettre plus de girofle que de cannelle. D'accord, d'accord. Ouais. On met deux cuillères de girofle. Non, non, une cuillère et à café et un petit peu. Pas deux. Cannelle. Cannelle, je ne vais pas mettre beaucoup. Pas mettre un petit peu assez peut-être. Si mettre beaucoup cannelle, il fallait un peu la cuillère. D'accord. Ouais. Donc c'est une demi-cuillère. Ouais. Ok. Pas beaucoup. Après, nous mettre du poivre. Du poivre, bien sûr. Bien sûr. Après, nous allons mettre une cuillère comme ça là. Ok. Wow. Voilà, c'est tout. Cannelle, girofle, du poivre et piment. Piment. Oui, là maintenant l'ail. Oui. Après la bien. Après, quand on finit avec tous les ingrédients, oui. on va mettre ça du raisin fermenté là. D'accord. On met là-dedans, après on le cuit à petit feu. Ok. Là, il a quand même pas carasé, il n'est pas fait non. Il. D'accord. Ouais, il se pile bien dessus. Ouais. Donc là, mettre un petit peu de l'huile. Ouais, pas beaucoup parce que le canon il est gras. Ok, très bien. Il rend beaucoup de l'huile. Celle-là, dépend, hein, la quantité. Mm-hmm. Hein. Là, voilà, c'est bon. Donc là, oui.
Là, nous faisons marini et puis ensemble. Voilà. Ok. Voilà. Là, nous faisons. Ok, là, pas plus. Par contre, nous ne pas mettre le gingembre. D'accord, j'ai un gingembre. Une petite cuillère. Voilà. Voilà, nous tournons. Nous mettons les, commencement, nous mettons un peu fort, tu fais là. Nous mettons l'eau, tu fais un peu fort. Après, oui. Ok, après, pendant là, combien de temps, du coup, l'eau, tu fais oui. fort hein? Pendant combien de temps, combien de minutes à peu près 5 minutes, l'eau, tu fais assez fort. Oui. D'accord. Après, là, nous mettons, tu fais là, mais okay. Tu fais. Mais, qui fait, est-ce que vous mettez l'eau, tu fais fort avant? Pour les roussis un peu. Les roussis, d'accord. L'eau, tu fais là. Oui, après, l'eau, tu fais là, nous mettons, c'est mijoté. Ok, les semi-jetés ouais. pendant à peu près combien de minutes? Disons 25-30 minutes. 25-30 minutes. Oui. D'accord, c'est d'accord. Parce et puis en dernier, là, nous mettons. Oui, tomates. Quand il est presque cuit. Après, il finit cuit même presque. Oui. Et là, nous mettons ça. Mais si un petit peu après. Quand... Parfait. Okay. Quand nous parlons, quand il me faut toujours. Donc là, comment dire, nous mettons l'île loin du fait. Faut pour fort, commencer pendant 5 minutes. Oui, pendant 5 minutes. Et après ça, là, nous pouvons baisser du fait là. Ouais, après nous baisser du fait là, nous laissons mijoter. D'accord. Pendant 25 minutes. Allez, ok. Ouais. Très bien. Voilà. Ah, ok. C'est un mot qui est assez réduit. C'est ça. Wow. Donc, mettre mon pomme d'amour. D'accord. Ok. Et donc, vous parlez vite comme ça là. Là, on va mettre mon pomme d'amour. Mm-hmm. Ok. Allez. Là. Là, nous vous laissez cuire au moins, pas beaucoup là, parce qu'il faut mettre ce pomme d'amour. Ok. Les temps que pomme d'amour là, il faut là-dedans pour lui faire la sauce. Oui. Après, ok. Et ça va prendre à peu près quoi, 10 minutes, 5 minutes? Même pas, oui, peut-être 5 à 6, 7 okay. minutes. Moi, mon pays, moi, comment je coupe du pain toujours, moi, avec ta bataille. Tu veux faire? T'es faim. Après, tu veux faire? On finit casser? Oui. Eh, bon, on va faire la sauce, moi. Ok. On va mettre tout là-dedans pour me brûler. D'accord. D'accord? Ok. Ok. Donc on la sauce qu'on fait une quantité, oui. Et là on va faire la sauce. Mm-hmm. Moi, si vous payez une quantité, vous faites comme ça. Okay. Ce du sel, ce du poivre, du poivre. Ce citron, citron, un petit peu de l'huile. De l'huile. Et puis voilà, okay. Très quand on ne peut pas le manger, là, donc, ok, mais nous faisons ça tout de suite. Là, c'est presque, c'est presque prêt, c'est prêt là. Hein. C'est prêt. Là, mais c'est vraiment beaucoup du sel là. D'accord. Pour faire comme ça, mm-hmm. après me goûter. Parce que plusieurs fois, partout, comme nous allons faire la cuisine, oui. Je vais te goûter avec une cuillère. C'est pas bon. Pas bon à cause de bah l'hygiène. Oui. Et non, l'hygiène, dans l'hygiène, 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 c'est vrai. C'est vrai. Tu m'as goûté comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, mon... Mais sinon, on ne va qu'à couper une bout, me goûter, non. Non, 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 ah, non. Attends, quand on arrive là pour manger. Là, allez, arrête. <tout, rire> hein. Avec à part, ça pourrait faire là, comme nous dire. C'est bon, c'est prêt. Voilà, c'était tout calme, on dit. Et ça nous brûle. C'est très bon pour faire une ça pour lui. Vous connaissez faire un citron comme ça. Pour lui tirer ce jus bien. Ouais, exactement. Ok, très bien. Voilà. On va redémarrer, on va monter le vinaigre dans sa vente. Ok. Ouais. Du poivre. Du poivre, ouais. C'est bon? Je peux encore. Là, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez. Bon. Je vais faire là. Non, manger. Allez, allez. Moi qui fais tellement la cuisine là. Ah, par contre, on en a non, non, correct ça. Mais il y a une boute. Elle sait le boute assez. Elle sait le boute assez. Allez, la sauce, mets-le bien la sauce. Oui, nous mettons pour toi. Hein. Ah, déjà. Ouais. Des tranches de pain, correct? Oui, on a fait. Ouais. Merci de pareil. Allez. Bon. Moi. Alors, moi aussi, moi, ouais, c'est pareil. Bon, appétit. Voilà. Simplement. Ah. Bon appétit. Bon appétit. Merci.
T'avais faim? J'avais mari faim. J'avais mari faim. Mais si m'avais faim. Pas qu'à cause de mon mentir, mais si m'avais faim. Marjolaine? C'est bon? Vous pourrez vinguer tout. Hein? Très très bien. Tu es déjà d'accord? Vous voulez que mon fait là, mon parole en temps, ouais. De la mobbing et tout. Ouais, il n'y a pas passé. Allez, ouais. Dis quand même. Incroyable. Bon? Ouais. Waouh. Merci. Prends un nouveau plat préféré. Pas tu demandes une diminuée plus mal là-dedans? Oui, une diminuée. Ok, diminuée qui est. Okay. Tu es fort? Non. Non. Pas rien faux, moi. Pas rien faux. Et manger alors. Alors là, on passe un super moment avec Marjolaine, alias madame là. Je suis bien content, on passe une bonne journée avec Ted. Je suis allé grand matin dans ce endroit, il m'explique moi un petit guide qui, voilà, ça fait 17 heures qu'il reste ici. On a la plage, on a aussi, on a causé, on a fait une petite conversation. Et je suis découvert que madame là, il reste dans le même endroit que moi, c'était mon gars-camp, ça fait vraiment plaisir. Donc, il connaît mon grand-père et vraiment, ça me touche moi. Après ça, nous avons fait une commission. Nous prenons un ingrédient pour faire un bon salmi canard. Nous assisons, nous discutons un petit guide, nous racontons-moi l'histoire de que sa santé là sortie depuis la sauce. Et c'est vraiment une histoire qui me touche moi, vraiment très émotionnelle. Nous avons cuit ça à la cuisine et Teddy accompagne moi. Il nous manque de main, c'est bien gentil à lui. Nous apprenons comment faire un salmi. C'est forcément trop difficile. Je pensais que tout le monde, quand j'étais fini, ça ne pouvait pas faire ça avec d'autres. Et surtout, il bien mettre l'accent sur les bonnes épices avec le piment. D'ailleurs, il dit à moi qu'il diminuait le piment. Mais malgré ça, monsieur, qui demain, je pourrais finir Yanti. Mais il vaut la peine, vraiment. Merci à Ted qui n'aide moi, mais quand même, il n'y a pas qu'une coupe de yon. Hein. Je me dis qu'il coupe fin, il coupe les gros chèmes. Les yon pas coupe gros chèmes, mettre dans la salade. Voilà, une affaire qui te connaît, Esther. Quand on fait salade, tu connais bien coupe de yon, fin. Ben écoutez, moi, c'est vraiment. Je me fais un camarade Zodi et je passe un mari bon moment. Aussi, à qui ça me fait c'est un grand plaisir ici découvrir qui ça n'a qui cassé derrière cette madame là. C'était Marjolaine. Et merci de t'inviter à l'émission là. C'était Good Atout, présenté par Ted. Nous vous rejoignons dans le prochain épisode.